Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour... alors c'est le vlog 2 de Paris. Alors là il fait encore nuit et tout, il est 6h30 à peu près. On s'est levé à 6h30 à peu près, là il doit être 6h40 à peu près, un truc comme ça. On se prépare un peu. On va partir un peu plus tôt parce que voilà, on sait qu'il y a beaucoup de monde. Donc voilà, là on va déjeuner puis après on va partir. Donc voilà, on se retrouve pour une nouvelle journée qui commence déjà très tôt. Regardez, même la vue de Paris, il fait encore nuit. Et voilà, c'est mon arrivée. Je tiens le bordel. Donc c'est Sony, donc faut trouver Sony. Eh, hey, bon, alors tout ça. Regardez-moi ça. Elle est hyper belle. Allez, on continue. Mad. Voilà, attendez. C'est le bordel, tout le monde est en train de courir, c'est abusé. Oh, 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 regardez tous les écrans. Ah putain, oh là 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 les amis, oh putain. Et franchement il n'y a pas encore beaucoup de monde, mais ça va arriver très vite. Donc ouais, c'est vrai que là la journée découverte. Là on va surtout visiter le salon à PlayStation, tiens. C'est là. Nous on va tester à la VR si on peut. C'est tellement un truc que j'ai envie de tester ça. Ah, il y a le cache, voilà. Bon, regarde le ciel. Tranquille. Donc Sony ici. Attends, ça c'est l'histoire de Sony, donc on va voir. Je vous rappelle que la PS4 sort le 10 novembre. Et voilà déjà distribué deux. Ah, voilà. Non mais attends, ça sert à un truc. Le jeudi. PS4 Pro. Il y a là-bas. Regarde. Oh, c'est quoi ça? Ah, c'est des sièges en même temps qui tombent. Si on peut. Ah, c'est pour jouer à sport. Bah ouais. Il y a pas beaucoup de monde. Ouais. La queue. Vas-y, on essaye tout de suite. Ah, franchement, ça va défoncer ça. Comme ça, tu pourras tenir la caméra en même temps. Ah, c'est là? Ouais. Ah, faut attendre. Sniper Elite. Il y a quoi d'autre? Vas-y, mets-toi derrière. Vas-y. Bon, je vous vois un peu. Voilà. We'll be right back.
première avec le volant et tout, des bonnes sensations. Franchement, c'est bien. Là, on va essayer de tester la réalité virtuelle. C'est bien ça, parce que c'est qu'il y a... Je pense que c'est ça. Allez, vu le monde. Donc voilà, on va voir. Juste à côté, il y a le stand de Call of Duty. Là, c'est blindé. Donc voilà. Après, je pense qu'on va faire un tour de cheatbox quand même. Donc voilà, allez, on se retrouve tout de suite. Ça va, allez, tout de suite. Attention les amis. Oh, ça fait du bien de silence. Et on va le faire avec une belle voix. Déchets, blesses, déchets. Tout ça. Alors, du coup, on va pas tester le verre aujourd'hui, parce qu'en fait, il faut réserver. Du coup, on y va demain à 9h, on est l'ouverture. Je sais pas si mon antenne est fausse, c'est pour ça que je parle un peu fort. Bah, je suis la queue pour Battlefield. Merci. À côté, il y a Titan Pool. Attends, on va recommencer. Voilà.
nous avons Ghost Record, Gun. Ouais. Là nous avons Forno. Là on a vous allez danser ici. Essayez. Ouais, je pense qu'on peut mieux faire. Une fois plus fort, c'est super timide. Là, nous arrivons sur le stand de farming. De Rassemble, même si le jeu est déjà sorti. Je peux jouer, moi je l'ai, donc voilà. Alors là-bas, on va avoir du catch, du 2K17. Là, il y a Game Zone. Enfin, il y a quoi d'autre ? Ok, qui est là ? Bon, un peu. Oh non, il est là. Voilà. Sur le stand de Renoir, Total Beach qui est là aussi, avec leur casque. Là, on va avoir un petit peu aussi là, les casques Total Beach et tout. On va voir ce qu'il y a. Merci beaucoup à toutes et à tous. On se retrouve cet après-midi, déjà entre midi et 13h. Il y aura une présentation aussi sur pour vous. On va écouter un peu. Ah, alors, j'ai dit, une défaite. Pas de 50 euros. Bon, c'est de la merde, il n'y a même pas de musique, il n'y a rien du tout. Ah, c'est pour une fois qu'il offre un beau petit cadeau. Je vois pas la tête. C'est sa propre poche. Ah, là-bas, c'est fou ça. Personne. Regardez, ouais. Bon, merci Génus, on se retrouve tout à l'heure. Vers quelle heure? 14h, c'est ça? Pour la team G1 en direct, forcément. Et puis, bien évidemment, nous allons accueillir celle qui se fait désirer. On l'appelle d'ailleurs désirée. N'est-ce pas Mathias? Nous allons avoir Kitties dans un petit moment qui va venir nous rejoindre sur l'espace Game One. On va jouer à quoi? Titanfall 2. Alors, ça vient de sortir. Elle va nous faire une démo donc en mode multijoueur. Okay. Le son, on laisse pas jouer en fait. Ça va envoyer du steak. C'est vrai que. Visiblement. On n'entend pas grand chose parce qu'il y a super. Donc, c'est bien avec nous. Mais très content. On va devoir placer d'autres personnes aussi hein, dans le public. Super. Là, on peut jouer comme ça. Donc, là, on va aller un coup chez Honor, on va voir quelques trucs. Je pense après, j'aurai plus beau. Alors, on va voir un petit coup. Alors non, qu'est-ce qu'il nous propose? À quoi on est en train de ah, quelques téléphones. Attendez, j'essaie de vous montrer un peu. C'est le nouveau. Honor 8. C'est pas très. Non, non. Ouais.
peu à l'iPhone. Il y a une petite ressemblance. Petite. Ok, bon, ça va. Midian, on l'avait juste là-bas. Donc, on va voir un petit peu si c'est on va voir. Je pense pas, il y aura plein de trucs, je vais vous montrer. Il y a quoi ici ? On va ? Après, je sais pas si en fait il y a quelqu'un. Stop, 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 stop
histoire. Il y a un peu de tube au fond, je vais aller chercher. Pour vous, j'espère que vous êtes content de voir Skyrock de Monsieur Levé 12. Et sur Call of Duty 4. Donc, on va vous demander avec quelle condition vous avez commencé et pourquoi, si ce n'est qu'en fait vous venez de le découvrir. Quel opus vous avez fait découvrir la série? Alors, je pense que tout le monde le sait, hein, et je pense que comme beaucoup, j'ai pas eu Call of Duty sur Call of Duty 4, donc c'est pour ça que ça fait vraiment plaisir d'avoir ce remaster qui sort là d'ici une semaine, même pas 6 jours je crois, donc je pense qu'on a vraiment hâte. Et finalement, bah, depuis que j'ai connu Call of Duty 4, bah, tous les ans j'y suis allé dessus. Ouais, moi c'est un peu pareil, j'ai découvert assez tard, de base j'étais sur GTA, et après j'ai découvert Code 4 au moment où Modern Warfare 2 allait sortir. En fait, il faut savoir que Code 4 c'était. À l'époque où moi j'ai découvert la console, ce qui est bizarre, j'ai découvert la console assez tard, c'était Code 5 qui était le jeu de l'époque, et comme Code 5 a été un petit peu boudé au profit de Code 4, tout le monde plus ou moins était encore sur Code 4, et moi on m'a fait découvrir Call of Duty avec Code 4 justement, donc vraiment c'est un gros kiff de revoir le jeu remasterisé pour les consoles next-gen.
On va parler de Call of Duty 4 juste après. Là, on va se focaliser sur Infinite Warfare. Parce que tout le monde a essayé Call of Duty Infinite Warfare. Ok. Maintenant, on va demander l'avis de pro. Donc, monsieur Windows et Sky Rose. Ah, si. On est loin, loin, très loin d'être des pros. On n'est pas des pros. On est des rageurs professionnels, peut-être, mais c'est tout. Non, après, on peut donner notre avis en tant que joueur d'expérience. Et quand je dis joueur d'expérience, ça n'a rien à voir avec joueur qui sait bien jouer, je m'entends. C'est joueur d'expérience, c'est-à-dire qu'on est long, depuis longtemps sur la franchise. Joueur qui joue beaucoup. Voilà, joueurs qui ont ça à faire de leur vie. Donc, Infinite Warfare, moi j'en ai parlé assez dans mes vidéos. On va dire que j'ai du mal à m'adapter au jeu. C'est pas un coup de cœur. J'attends d'avoir la version définitive à la maison. Parce que sur la bêta, j'ai eu beaucoup de problèmes de connexion. Et comme je l'ai dit depuis qu'on est là. En fait, et tous les jours, j'ai l'impression de réciter la même chose. Comme on l'a dit déjà hier et avant-hier. En fait, moi j'ai eu de gros soucis pour m'acclimater à ce jeu. D'après ce que j'ai pu comprendre, c'est le cas pour pas mal de personnes. Bon, laissons une chance au jeu, laissons le temps d'avoir le jeu à la maison et voir ce que ça donne avec la version définitive et avec notre connexion, on va dire en espérant que ce soit un petit peu optimisé. Je pense que comme beaucoup, quand j'ai vu le trailer la première fois, c'est pas vraiment le type de Call of Duty que j'attendais cette année. Et finalement, quand j'ai eu entre les mains, j'étais agréablement surpris. J'ai dit, ah, je m'attendais. J'étais déçu, évidemment, j'étais content. Je me suis vraiment éclaté sur le jeu. Je pense que comme beaucoup, j'ai vu les retours sur Twitter où il y a beaucoup qui avaient des a priori sur le jeu. Et au final, après avoir testé la bêta, vous êtes nombreux à avoir kiffé dessus. Surtout pour les joueurs snipers, je pense qu'ils sont vraiment fait plaisir sur le jeu. Et oui, ça fait plaisir, merci. On attend plus la version finale pour déloger monsieur le V12 de 50. Ah c'est ça. Surtout qu'il peut rigoler parce que c'est le genre de gars quand il se retrouve face à que des snipers parce que j'ai déjà joué avec lui. Et forcément quand les gens le reconnaissent, ils jouent tous au sniper et ils pètent les plombs. Putain, faut qu'ils jouent tous au sniper. Il lui casse ses séries et il pète les plombs. Mais moi je préfère les petits campeurs de V12, c'est bon ça. T'as raison. C'est du pain béni. On en parle, on en est à combien là au niveau des 1 contre 1 Attends, je vois les t-shirts qui viennent d'arriver, je pense que c'est un sujet qui intéresse beaucoup plus les gens, les t-shirts. On va parler du remake que tout le monde attend, Code 4. Qu'est-ce que ça vous fait de le revoir sur les dernières consoles? Je pense que c'est quelque chose qu'on attend depuis des années, qu'on demande depuis des années. On l'a enfin, ça fait plaisir, on espère qu'ils ne vont pas s'arrêter à celui-ci. Je pense qu'on est nombreux à vouloir voir la toile. Je pense qu'il y en a énormément qui veulent MW2, MW3. Donc on espère que celui-ci va bien fonctionner pour qu'il se, on va dire, bouge le cul un peu pour faire tout ce qu'on aimerait avoir. Moi je pense qu'il y a de grandes chances que ce soit le cas. Rien qu'on voit l'engouement autour de Code 4 remasterisé. Et c'est vrai que quand tu parles de Hordatoire, j'ai été déçu de ne pas avoir testé Hordatoire à l'époque où c'était le jeu phare. Parce que maintenant, bah, si vous voulez retourner sur Hordatoire, déjà il faut aller sur la PS4, PS3. Donc qualité pas forcément top. Mais surtout, le jeu est hacké. Donc c'est vraiment injouable. Après peut-être pas sur Xbox, mais franchement, sur PlayStation et Xbox. Voilà, si on pouvait avoir un World at War. Après MW2, MW3, c'est pas forcément les jeux que j'aimerais avoir remasterisés, mais World at War, ouais, clairement. Ouais, mais je crois qu'MW2 c'est un des favoris quand même. Vous kiffez, est-ce que vous aimeriez avoir MW2 remasterisé? Je pense qu'on est d'accord. Ouais, oui, il y a la nucléaire, mais il y a aussi les lance-patates avec Machine de Guerre et Danger Approché Pro. Ah, donc, tu les connais celles-là, hein? Ah, bah bien sûr, on les a subis. J'ai cru comprendre qu'il y avait un petit défi entre vous. Ça, on ne l'a pas dit. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est? En gros, il a recruté des gens qui le soulevaient. J'ai fait de même. Et l'idée, c'est de s'affronter donc, sur un territoire par. Comme l'année dernière, en définitive. Et l'année dernière, tu avais gagné. L'année dernière, je t'avais quand même mis 3 ou 4 victoires à 0. La petite ticket, hein, t'as posé la manette, t'es parti en pleurant. Mais cette année, je me suis rattrapé sur les 1v1 du coup. Tu te rappelles le dernier 1v1? Ah, mais je me suis dit quand même, si je gagne à chaque fois. Le dernier 1v1, ça va être où je marque le dernier point en t'humiliant avec un coup de cross. Tu t'en souviens ou pas? Alors, je n'ai pas entendu ta question. Tu t'en souviens ou pas? Le coup de cross là, sur le dernier 1v1. Alors, je ne sais pas de quoi tu parles. C'est bizarre. Je pense que finalement, là, le 3, c'est le 3, hein, que ça se passe la veille de la sortie du jeu. C'est le ça. 3, il y aura l'affrontement.
Donc on a pris des abonnés chacun de notre côté, on va faire notre team. Et je pense que bah, t'as aucune chance. On verra, moi je ne blague pas. Pourtant tu parles hein. Non, tu parles. T'essayes de parler, tu veux pas me lâcher, mais tu parles. Ah bah oui, ils sont là en plus, je crois, non? Voilà, le mec il est vachement au courant, son équipe l'attend mais il sait même pas quoi. Mais si je le voilà sais, le genre de leader que tu es. Voilà le genre de leader que tu es. Tes gars ils sont là, tu le sais même pas. Allez. Et là tu sais même pas si c'est les tiens ou si c'est les miens. Si, je sais que c'est les miens. Et non, c'est les miens justement. Ça va bien? Ça va? Robert, Julien, tu vois, moi je connais même leurs prénoms. Sylvain, Thierry, Michel, Sylvain, énorme. Moi je connais même leurs prénoms, tu vois. Eh ouais. Voilà, regarde. Tu vois là, nous, on gagnait. On verra. Je suis désolé pour bonne vous. Chance, les gars, bonne chance. Vous êtes chaud? On va voir. Vous allez gagner? Ouais. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez filmer ce jeune homme qui a dit on va gagner? Ouais, c'est sûr. Voilà, lui là. Voilà. On va gagner, hein, pas de problème, c'est sûr. Je le mets dans ma vidéo si tu perds, poteau. Et avec un ralenti. On va gagner. Et la musique, ça de violer. Allez hop. On a quelques cadeaux pour tout le monde. Je vous laisse commencer par une petite distribution de t-shirts et il y a des posters. Il y en a beaucoup, il y en a quelques-uns qui seront dédicacés, pas tous, mais après vous pouvez balancer la sauce sans souci. Donc n'hésitez pas. Alors nous allons au pavillon 2 et 3 pour voir ce qu'il y a. Donc je pense que c'est Junior. Oh là, vous ne voyez plus. Ça, je peux rien faire, pas trop de lumière. Voilà. Et voilà, tout ce qui est junior et compétition aussi, là. Donc on va voir ça, mais le problème c'est que j'ai plus beaucoup de batterie, déjà il m'en reste 2-3, ça va. Mais la caméra elle est bientôt en route, donc là, ça me fait la merde. Bah, je pense qu'après je serai avec ma GoPro, mais moi ça va à grand chose aujourd'hui. Donc voilà, allez, on se retrouve à tout à l'heure. Donc voilà, bah, c'est fini, on est parti de la Paris Nostrug, je sais plus à quelle heure, mais là on est revenu à l'hôtel du coup. Voilà, du coup on va tester demain la réalité virtuelle de chez Sony, et aussi Orange, ils ont fait aussi un casque de réalité virtuelle. Que les trains. Voilà, après nous... sur ce façon, on va tester aussi Call of Duty du coup. Comme je pense que du coup on aura tout fait en fait, parce que en fait il y a beaucoup de trucs, des jeux qui sont déjà sortis ou que voilà, qu'en fait il n'y a pas trop de rapport à jouer, qu'on l'a déjà ou voilà, tout comme ça. Donc, désolé. Voilà, et puis Jacques aussi là, par contre il sort le 15 novembre, donc c'est bientôt quand même, hein. On peut même pas jouer, je comprends pas. On pouvait juste regarder quelqu'un qui faisait la démo et tout, donc soit. Après, ouais. C'est vrai que c'est bizarre, en fait, tout le monde attendait, parce que voilà, il voulait jouer, mais après, il y a une femme qui me dit, vous jouez pas, juste à regarder un mec jouer, quoi. Ok, je vois pas le rapport. Pourquoi lui, il peut nous montrer, et pourquoi nous, on peut pas, en fait, faire tout ça, quoi. Ouais. Après, bon, voilà, après, c'est leur choix. Voilà. Donc voilà, bah je pense que cette journée c'est terminé, de toute façon on va chercher dans un fast-food ou voilà. On va voir ce qu'on mange. Donc voilà. Ah aussi on a vu aussi Monsieur le B12, Sky Rose. Et on a vu Wartek aussi qui était en train de jouer à Gears of War. Allez, vas-y. Merci de toi. C'est assez hardcore et tout, donc c'est pas mal, franchement, c'est un bon jeu. Par contre, j'ai trouvé que il y a beaucoup plus d'ambiance sur le stand Sony, en fait. C'est vrai que c'était un peu plus animé, je trouve. Ouais.
même si Microsoft ça allait quand même, mais c'était bien aussi. Mais c'est vrai que beaucoup plus d'animations sur le stand Sony, bah, grâce à Call of et tout, donc c'est pour ça aussi. C'est vrai que voilà, Monsieur V12 et tout, c'est vrai qu'ils ont fait la conférence là-bas. On les a vus et tout, ils ont balancé les maillots aussi. Ah, faut que je le montre. Oui. Attendez, ne bougez pas. Donc voilà, bah en fait, je vous reprends sur mon portable parce que le problème, c'est que ma caméra n'a plus de batterie. Donc voilà, j'ai eu un maillot. Bah, heureusement que un ami était là pour me l'avoir parce que j'ai plus largement fait rencontre. Voilà, il est dédicacé Sky Rose et Monsieur Levé 12. Voilà, sur le t-shirt Call of Duty Infinite Warfare, je veux dire. Il y a trop de noms, Call of Duty, c'est pas possible. Donc voilà, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Allez, salut.